Quelle foule incroyable, le dimanche 6 novembre 2022, aux alentours du Musée des Arts Forains de Paris. Les célébrités auraient-elles subitement eu envie de découvrir les vieux manèges et les lumières folles de ce lieu, situé en plein quartier de Bercy? Pas du tout. Marco Verratti, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, avait choisi cet endroit haut en couleur pour célébrer son anniversaire. Et pas n'importe lequel. Le bel Italien aux yeux d'azur est né sous le signe du Scorpion le 5 novembre 1992, si est-il à dire il y a 30 ans. Joyeux anniversaire. Cette soirée fut sans doute bien arrosée, mais ça, seul le personnel du Musée des Arts Forains le sait. La guest list, en revanche, est facile à discerner puisque tout le monde a défilé à l'entrée avant de se joindre aux festivités organisées par Marco Verratti. Ont donc été repérés, dans le 12e arrondissement de Paris, Rose Bertram, Neymar Junior, Marquinhos et sa femme Carole Cabrino, Nordi Mukiol, Lionel Léo Messi et sa femme Antonella Roccuzzo, le créateur luxe Christian Louboutin, Chin et un ami proche, Gianluigi Donnarumma et sa femme Alessia Elefanete, Leonida Ferrarese, le chanteur M. Pokora, sans son épouse Christina Milian, Oda Roche, Amelia Lintzer-Amos, Danilo Pereira, Zlatan Ibrahimovic, Presnel Kimpembe, Hakim Gorab, Jessica Digi ou encore Chloé Le Carreux. Marco Verratti, qui habite en France depuis plus de 10 ans, a également, évidemment, eu droit à la présence de sa sublime épouse Jessica Heidi, qu'il a rencontrée en nos frontières. Celui qu'on surnomme le Petit Hibou avait certainement souhaité conserver le secret, à propos de cet anniversaire, mais certains invités l'avaient déjà évoqué sur les réseaux sociaux avant de se rendre au Musée des Arts Forains. Chin avait notamment partagé, sur son compte Instagram, un aperçu de son look, mis en valeur par un décolleté interminable, recouvert, à l'extérieur, par température basse, par un immense manteau noir semblant être d'une infinie douceur. Amie de Marco Verratti et de Jessica Heidi, elle n'aurait raté ça pour rien au monde.